C'est pour cela qu'il faut que les frères et sœurs qui comprennent la vérité aujourd'hui comprennent qu'avant de s'engager, il faut bien réfléchir. C'est ça, le message nous amène plus à la crainte de Dieu qu'à la banalisation de l'impudicité comme certains le croient, hein, qu'on peut maintenant tout se permettre. Non, au contraire, ça nous amène encore plus à la crainte de Dieu. Parce que Dieu, dans Malachie 2, parle de la femme de notre jeunesse. Voyez, et c'est important. Le mariage, c'est pas une affaire, c'est pas quelque chose de qu'on doit prendre à la légère. La sexualité, comme vous le savez, c'est pas quelque chose que le Seigneur a prévu pour des enfants. C'est pour des personnes matures, mûres, capables de procréer et de prendre en charge les enfants qui sont. Comme la nature nous enseigne, vous ne verrez nulle part dans la nature où un oisillon, un aiglon vouloir pondre des œufs. Quand un oiseau commence à chercher une femelle, c'est que ils sont en mesure de bâtir un foyer, de construire un nid. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est-à-dire aura des rapports intimes avec sa femme et les deux seront une seule chair par les rapports intimes. Il faut regarder pour comprendre les Écritures, il faut sortir d'abord de toutes les configurations que nous sommes, de toutes les considérations et de tous nos systèmes là et gouvernemental, tout ce système gouvernemental, on doit être, parce que la parole est au-dessus, d'accord? Elle est universelle. On doit sortir un peu de tout ça. Et quand on sort de toutes nos organisations humaines, lois humaines, gouvernement, tout ça, quand on sort de là, qu'est-ce qu'on voit? On se retrouve avec Dieu. On se retrouve avec Adam et Ève, qui n'étaient pas mariés devant un maire, mais que Dieu avait mis ensemble. Donc nous comprenons que selon les Écritures, le mariage, c'est quand Dieu met deux personnes, en l'occurrence un homme et une femme, ensemble. C'est ça le mariage. C'est Dieu qui unit les gens, c'est Dieu qui met les sentiments dans nos cœurs pour les femmes, pour les hommes qu'on épouse. C'est pour cela que la prostitution est prohibée dans les Écritures. Parce que c'est le fait de détourner la sexualité de son objectif, de la raison pour laquelle Dieu a prévu la sexualité. Voyez, c'est le paroxysme de l'amour, de l'amour et c'est aussi dans le but de procréer, de construire, de bâtir. Et donc c'est quand on sort de toutes ces organisations, on se rend compte que en fait Adam et Ève se sont mariés devant le Seigneur, par le Seigneur. Abraham, le père de la foi, Isaac, Jacob, tous, David, et Paul nous apprend également dans 1 Corinthiens 7, on l'a vu, que c'est l'homme qui marie ses filles, ses enfants. Ce sont les parents qui marient les enfants. Maintenant, oui, nous sommes dans un monde organisé, il y a des lois. Donc, deux personnes qui veulent se mettre ensemble, l'homme et la femme, doivent tout faire pour honorer la famille, leur famille respective. D'autres, on sait que c'est pas du tout néo-testamentaire, c'est une pratique d'origine cananéenne. Et ensuite, seules les personnes qui ont des papiers, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas de papiers ici, qui ont des papiers, c'est simple. Aller à la mairie, c'est simple. Donc, on n'interdit pas aux gens d'aller à la mairie. Mais nous faisons comprendre aux gens que le mariage civil est né, a été mise en place le 20 septembre 1792, il y a 225 ans. D'accord? C'est-à-dire 225 ans avant, 226 ans, les gens ne se mariaient pas à la mairie. C'était l'église qui s'occupait du mariage. Parce que ça a été mis en place au concile de Lyon, au deuxième concile de Lyon, en 1274. Et ensuite en 1500, au 16e siècle, au concile de Trente. Et l'État français a récupéré cette responsabilité, cette prérogative. Il a pris ça à l'Église catholique. Et il y a 225 ans, l'État a commencé à unir les gens, c'est-à-dire à officialiser l'union des gens. Mais c'est pas ça, selon le Seigneur, d'abord le mariage. Parce que le même État, l'État français, marie et défait aussi les mariages. D'accord?
Vous voyez? Donc, et c'est vrai que pendant des années, j'arrive avant de répondre à vos questions, pendant des années, nous nous sommes basés sur Romains chapitre 13 pour justifier le mariage à la mairie. Je le répète bien, je ne suis pas en train de dire aux gens n'allez pas à la mairie. Mais en même temps, je suis en train de dire aux frères et sœurs, ceux qui n'ont pas de papier et qui se sont mariés au niveau de la famille, qui ont honoré leur famille et qui, n'est-ce pas, se marient selon le Seigneur parce que Dieu est d'accord avec eux et qui ne peuvent pas aller à la mairie parce qu'ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas de papier. Vous n'allez pas leur dire que ils sont condamnés, ils ne doivent pas se mettre ensemble, fonder leur foyer parce que la loi de Dieu, c'est celle qui prime. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Parce que la même loi, donc, qui autorise les gens à se marier à la mairie, n'est pas appliquée, dans certains pays comme au Congo-Brazzaville, où si les gens se marient à la famille, l'État reconnaît naturellement, naturellement comme mari et femme. Voilà. Et des pygmées également, certains des pygmées qui ne sont pas soumis à une loi forcément, gouvernementale, humaine de leur pays, ben, ils se marient comment? Au niveau des familles. C'est tout. Comme dans la parole, comme dans la Bible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas condamner les gens. Donc, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. D'abord ici, deux Français. Hommes et femmes, qui vivent en couple sans s'être présentés à la mairie de leur ville, selon la loi française, ils ne sont pas coupables. Ah! Je ne sais pas si vous avez compris. Je veux dire, devant la loi française, un Français et une Française qui vivent ensemble. D'accord? Qui sortent ensemble. Aux yeux de Dieu, parce que les parents ne sont pas honorés, parce qu'ils n'ont pas été, parce qu'ils sont pas, voilà, on sait que c'est la fornication. Mais aux yeux de la loi française, de l'autorité française, ils ne sont pas coupables. Vrai ou faux? On est d'accord, hein? Or, ici, on nous dit que les magistrats ont été établis pour punir ceux qui sont coupables. Or, on n'a pas vu encore en France un tribunal condamné, un homme et une femme parce qu'ils sortent ensemble, sans s'être présentés à la mairie. Je sais que le message, ça va secouer. Je sais que les religieux vont grincer des dents. Je me mets debout. Frère, je ne sais pas si on a la même Bible ou pas. Vous voulez pas qu'on utilise la BGC. On va prendre une autre Bible. Prenez une autre. T'as quoi là? C'est quoi là? C'est. Ben, lis-moi dans cette version là. Pour ne pas qu'on dise, voilà, vous avez vu, ils ont leur Bible à eux, tout ça. C'est une secte. Voilà les jaloux. Oh non, mais vous savez, elle est trop littérale. Darby est une Bible littérale. Ça, y a pas de problème. Tout le monde, personne n'a rien dit. La BGC est trop littérale, ça parle. Quand même, y a beaucoup de jaloux. Hein. Voilà. Alors, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Okay. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, okay. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Okay. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Ok, on s'arrête là d'abord. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. On est d'accord, hein? Ok, dites-moi. Nous sommes en France, non? Ok. Est-ce qu'il y a une loi française qui dit que si un homme et une femme sortent ensemble sans s'être présentés à leur mère, sont coupables? Non. Donc vous ne pouvez pas prendre cette parole-là, comme on l'a fait hier, ce passage-là, pour l'appliquer sur le mariage à la mairie. Parce que le contexte ne parle pas de ça. C'est pour cela que Dieu voulait que ce soir, on continue encore l'enseignement. Parce que nous avons remplacé la parole de Dieu par des lois humaines.
C'est pour cela que vous avez des chrétiens qui viennent et qui disent, moi j'ai engrossé cette femme qui était à l'assemblée avec moi. Elle est tombée enceinte, on a couché ensemble, j'ai déviré cette femme. Mais comme on n'était pas marié à la mairie, donc je peux changer. On peut, mais attendez, ce sont vos femmes, ce sont vos maris. Et ils vont se servir de Romains 13. Vous avez vu, on a dit qu'il faut passer devant le maire, parce que le maire est notre premier magistrat hein, dans nos villes. Hein. Alors, comme on n'était pas passé devant le magistrat, donc on n'est pas marié, on n'est pas marié. Mon ami, je veux te dire que Romains 13 aujourd'hui n'a rien à voir avec le mariage. Qui commence à être délivré ce soir là? Donc, on a enseigné des colocantes sauvages. Donc, on nous dit que ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. On est d'accord, non? On acclame Jésus. Vous voyez à quel point, j'en arrive, hein, notez vos questions, laissez-moi expliquer d'abord le mariage à la mairie, comment on a déformé les choses, comment on a remplacé la loi de Dieu concernant le mariage par la loi des hommes. Et c'est terrible. C'est pour cela qu'il faut une réforme. Yeshua revient chercher des familles. On a pris et on prend encore Romains 13. Il est écrit, soumettez vos autorités par rapport au mariage. Mais écoutez, on nous dit que les autorités sont à craindre parce que elles sont établies pour appliquer, n'est-ce pas, pour respecter l'ordre. L'ordre. Pour les bonnes choses et les mauvaises choses. Or, selon la loi française, eh ben, les jeunes qui couchent ensemble, c'est une bonne chose pour eux, pour les Français. Mais bien sûr. Vrai ou faux? Mais par rapport à la loi de Dieu, c'est pas bon. C'est l'impudicité, c'est la fornication. Ça, nous sommes d'accord. Vous voyez bien que c'est deux lois différentes. Oh Seigneur, sauve-nous. On enseigne des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. On enseigne des choses, on pointe de verset, on les tord de leur contexte, on les sort, on les balance ici et là. Et on condamne. Et quand un message arrive, des religieux disent, vous voyez, on vous avait dit, c'est l'antichrist, c'est ceci, c'est cela, cela, tout ça. Ben, beaucoup vont en faire à cause de cela. On continue. Mon frère, continue s'il te plaît. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Ah, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Or, pour les Français, pour la loi française, selon la loi française, quand un homme va avec une femme, eh ben, il ne pêche pas. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais selon la loi française. Selon la loi de Dieu, c'est le péché. Vous voyez, non? Continue. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah! Donc il est question ici des impôts. Acclame le Seigneur, mesdames et messieurs. Waouh, Seigneur! C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a payé l'impôt. C'est ça. Il a dit pour ne pas les scandaliser, Pierre, va à la mer. Le premier poisson que tu vas attraper, prends l'argent dedans. Tu prends juste deux pièces, pas plus. Et le poisson, il ne faut pas le manger non plus. Hein. Voilà. Vous voyez? C'est par rapport aux impôts. C'est pour ça que nous payons les impôts. C'est pour ça que je ne paye pas les impôts. Hein, le fisc se pointe. Voilà. C'est pour ça que tout ce que nous achetons, ben, y a la TVA dessus. Voilà. C'est ça.
Et on prend ça, on dit, bon, vous voyez, c'est écrit, l'autorité, il faut aller devant là. Mais écoutez, la plupart des mères, là même, là, ne sont pas mariées à la mairie. Je vous dis, vérifiez. Beaucoup de préfets ne sont pas mariés à la mairie. Beaucoup de. Il y en a plein. Mais je dis bien, ce n'est pas pourtant que moi je dis n'allez plus à la mairie. Parce que les gens ne comprennent pas le message. On veut les éclairer, mais ils tordent tout comme ils tordent la parole de Dieu, comme nous tordons nous tous la parole dans le passé, bien sûr. Vous avez compris? Donc, regardez. Deux personnes, un homme et une femme, vont se retrouver dans. Ils ne s'aiment pas. Ils vont voir le maire pour être mariés. Ce n'est pas le maire qui va mettre l'amour dans leur cœur. La même autorité dit, je vous marie aujourd'hui, mais dans un mois, si vous n'êtes pas d'accord, dans un mois, revenez, je te fais le mariage. Mais Dieu, celui qui marie, dit quoi? Une fois que tu es marié, là, plus de marche arrière. Là. Dieu dit dans Malachie 2, 16, je hais la répudiation. Vous voyez, hein? Donc, selon la Bible, quand on va à la mairie, en fait, pour se marier, on y va, comme je vous ai dit, parce que nous sommes dans un pays organisé. Voilà. Ce n'est pas un péché. On va juste déclarer qu'on est marié. Comme quand un enfant vient au monde, on va déclarer l'enfant à la mairie, vrai ou faux? Voilà. C'est juste pour s'informer, informer les gens que nous sommes ensemble. Voilà. Monsieur le maire, nous venons, comme lorsque nous sommes nés, nous sommes venus vous voir 3 jours après, hein, la naissance. Au-delà de 4 jours, de 3 jours, là, c'est fini. Que vous soyez blanc, noir, chocolat, marron, on dit non, on vous reconnaît pas. Ah ben je suis blanc. Ah mais ça va, vous n'êtes pas français. Ah ben je suis noir. Ah ben non, encore moins. Ah ben je suis métis. Ah, non. 3 jours après. Vous voyez, c'est ça. Et vous allez dire maintenant que celui qui ne s'est pas déclaré là-bas là à la naissance là, l'enfant la pêche parce qu'il n'est pas reconnu à la mairie. C'est juste pour informer l'État que nous existons. Nous sommes sur le territoire français et nous vivons en famille. C'est tout. Mais il faut le faire pour permettre à ce que certaines démarches soient faciles. Tout ça. Là. Voilà, c'est tout. On le fait. Aussi pour, n'est-ce pas, pour être exemplaire, pour toucher les autres parce qu'on veut gagner les autres, on veut toucher les autres, c'est tout. Et c'est gratuit. Mais nous voulons en même temps que vous compreniez que c'est juste une formalité administrative. On y va, on va aussi des papiers ou pas. Voilà. En telle date, tant, monsieur un tel, né à tel endroit, tout, le père, son père s'appelle tant, sa mère tant. Voilà, et on reconnaît que avec cette femme, tout ça, qui s'appelle un tel, sont mariés. C'est tout. Et vous signez, les témoins sont là, vous êtes d'accord, oui, c'est tout. Mais les témoins ne sont pas d'accord à la mairie. Ils sont témoins avant. On est d'accord ou pas? Ben c'est ça qu'il faut comprendre. C'est simple à comprendre ces choses-là. Vous voyez, non, mais il faut répéter plusieurs fois parce que c'est pas toujours facile en même temps pour vous. Regardez, les parents de Jésus-Christ se sont présentés devant les autorités. À dans quel pays? Dans quelle ville? À Bethléem. Luc chapitre 2. L'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Marie était déjà sa femme, pourtant elle n'avait pas encore couché ensemble. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous dit, telle femme est ta femme. Tel homme est ton mari, tu le sais, Dieu te le dit, tu le sais. Même si tout le monde n'est pas d'accord, toi tu dis, c'est là, Dieu m'a dit, c'est ma femme. Vous ne le dites pas là? Vrai ou faux? Voilà, mon frère, vous avez des projets tous les deux, non? Tu as déjà dit à quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? C'est pas pour vous exposer, mais juste pour... Parce que vous êtes marié déjà? Ah bon? Ça se passe vite. Mais avant, est-ce que tu pouvais dire aux gens que c'est ma femme? Non. Ah bon? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que avant, même dans le monde, souvent les gens, ils disent, quand ils sont en couple, ils disent, ah, c'est ma femme. Mais ils sont pas forcément mariés. Et quand j'ai rencontré mon épouse, donc Diane, quand on s'est mis ensemble, moi, et ça confirme ce que vous disiez, moi, elle le savait pas, mais parce que j'aime pas trop dire les trucs, mais Dieu m'avait déjà dit, j'ai une témoin qui est là, Mariama, que c'était ma femme. C'est ce que je voulais entendre.
Oui, c'est ça. Il m'a dit c'est ma femme. Moi, ça. J'ai entendu ça dans mon cœur. Est-ce que tu étais passé à la mairie déjà là? Non, j'étais pas passé. À la voilà. Ce que je veux dire, c'est que la conviction ne vient pas, ma sœur. C'est pareil pour toi ou comment? Oui, bah moi aussi, j'avais reçu en priant que c'était mon mari. Mais... Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ils ne sont pas passés à la mairie. Après, oui, maintenant, comment? Ah oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, la conviction, on l'a avant d'aller à la mairie. D'accord? Et là, même avant les rapports, la personne est convaincue, c'est ma femme. Hein, la femme dit, c'est mon mari. Maintenant, la mairie, c'est juste pour... c'est une formalité administrative, tout ça, là, comme quand les enfants naissent, tout ça, là, et puis bon, bah, c'est tout, on signe, et puis on passe à autre chose. C'est pas compliqué. Donc, ensuite, donc, le mariage, on est convaincu, Dieu nous a parlé, et quand il y a rapport, là, ça se confirme officiellement. Et ça. C'est pour cela que quand on invente des raisons du genre, on n'était pas passé à la mairie, donc on n'était pas marié. Oh, mon coco. C'est comme un enfant qui dit, eh ben écoutez, je n'étais pas déclaré à la mairie. Donc je ne suis pas né. On acclame Jésus. Sans le Saint-Esprit, je suis rien. Je vous dis, il sort des choses à dire, oh là. C'est la vérité. On est tellement religieux. On a tellement d'écailles que quand Dieu nous regarde, Dieu a pitié et dit, oh, ces enfants-là. Vous voyez, non? Non, mais c'est. Nous avons des gros problèmes. Vous voyez les pasteurs du haut de leur chair, hein? Les écrits, Romains 13, les autorités. On continue dans Romains 13 là-bas, là. Verset 6 et 7. Ouais. Il n'y a plus de micro. Tu peux continuer alors. Ouais. Le verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, parce que les magistrats sont les serviteurs de Dieu, s'employant à rendre la justice. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. Ah! L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt, parce que sinon vous aurez des problèmes. Ah oui. Le tribut à qui vous devez le tribut. Le péage à qui vous devez le péage. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. On acclame le Seigneur, mes amis. Voilà, c'est beau. Vous voyez, c'est... À l'époque, on parle de quoi là? L'impôt. C'est ça, non? Tout à fait. On parle de quoi? Tribut. Tribut. On parle de quoi? Le péage. Vous avez vu, si vous lisez les écrits, les évangiles, vous allez avoir, hein, ceux qui lisent les évangiles sont familiers hein, à ces mots-là. Donc, les impôts, Jésus a payé, le Seigneur a payé les impôts. Les tribus, quand une nation était dominée par une autre, elle payait un tribut. Les deux rois, en parlent. Un et deux chroniques en parlent également. Voilà, c'était une taxe. Et les péages, pareil. Et donnez-moi le nom d'un péager dans les Écritures que le Seigneur a pris parmi les apôtres. Matthieu, Lévi. Donc, à l'époque, Israël était sous l'occupation romaine. Il y avait des péages partout comme ça. Là. Et à chaque fois, pour passer d'une ville à une autre, hein, il fallait payer. Et c'était les Juifs qui étaient utilisés par les Romains. Et ces péagers étaient très, très haïs, très détestés par leurs compatriotes. Qui le prenaient pour des collabos. Voilà. Et donnez-moi le nom d'un des chefs de péagers. Zachée. Vous avez vu? Donc c'est pour cela, Paul, quand il écrit Romains 13, il en parle en fonction de cette réalité historique. Il ne fait en aucun cas allusion au mariage.
Parce que pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, pour Dieu, le mariage est une affaire familiale. C'est l'homme qui marie sa fille, comme la parole le dit. Aussi bien dans Deutéronome 22 et dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 7 notamment. C'est nous qui sommes tordus. C'est nous qui venons avec nos traditions, nos coutumes, tout ça là. Et nous voulons, n'est-ce pas, nous utilisons des passages bibliques hors de leur contexte pour asseoir nos doctrines, pour condamner, justifier des choses. Et c'est grave. Et c'est pour cela que beaucoup de gens dans nos assemblées ont des problèmes d'impudicité, d'adultère. Je vous dis, chacun doit se mettre devant le Seigneur pour avoir l'éclairage. Je donne le témoignage de ce frère. Il a une femme, quatre enfants. Je lui dis, écoute, ça c'est ta femme. Ce sont tes enfants. Tu es chrétien, tu es converti, tu dois retrouver, restaurer ta famille. Oh non, mais tu sais, on n'était pas passé à la mairie, tout ça. Il y a un problème là. Mais il faut vous rendre compte que, vous savez, regarde dans la nature, un oiseau qui a trouvé une femelle et il fait faire des enfants, petits oiseaux, tout ça, là, les oisillons, tout ça. Et puis l'oiseau dit, mon foyer, non, j'ai quitté mon foyer parce que, vous savez, j'ai cherché une autre femelle parce que ma femme et moi, on n'est pas passé devant le maire de notre ville. Hein. Mais en même temps, je suis chrétien, tu comprends, en tant que chrétien, je dois être responsable, je dois être un bon père, tu comprends. Vous voulez enseigner quoi? Être chrétien, être disciple du Seigneur, c'est être capable, responsable, capable de restaurer, de se battre pour rétablir les choses. On a pris d'entre les mains des parents ce devoir d'éduquer les enfants, d'abord. D'où l'éducation nationale. Donc les parents font des enfants maintenant pour que l'État les éduque. C'est pour ça qu'il y a tout ce désordre, tout ce bazar. Si les gens étaient bien enseignés, bien éduqués avant de faire des enfants, il n'y aurait pas tout ce bazar-là. Parce que ce que je prêche, je le vis, mes trois enfants sont là. Et les trois, l'aîné va avoir 18 ans le mois prochain avant de sortir et demander la permission. On ne va pas faire n'importe quoi à la maison. Ah non? Les trois là, soumis, je leur dis, on a réunion, on y va. Et ils aiment le Seigneur, il y a l'obéissance, il y a l'écoute. Pas de petite copine jusqu'à ce que le Seigneur travaille, fasse son travail, fasse son œuvre, décide. Tout ça. Les parents doivent être capables d'éduquer les enfants. Ce n'est pas l'éducation nationale, c'est l'éducation familiale. Locale. Pas globale. Même pensée, même non. C'est ça le problème. Et deuxièmement, donc non seulement les parents ne sont plus des éducateurs, ne sont plus des instructeurs, ne sont plus, mes amis, des modèles pour les enfants. Deuxièmement, ensuite, ils ne sont plus comme ils ne sont pas parents, ils ne sont plus parents, ils sont juste des géniteurs, des gens qui procréent. Plus d'éducateurs, d'exemplaires. Donc du coup, ils ne sont pas capables non plus de marier. C'est pour cela qu'on dit, l'État va éduquer les enfants et c'est l'État qui va marier les enfants. C'est ça notre problème. Et si en même temps en France, on va dire que c'est l'État qui doit te trouver du boulot. On met tout sur le dos de l'État. L'État doit tout faire pour les gens. Quelque chose, une maison s'écroule, l'État doit reconstruire. Les gens croisent les bras et disent l'État va tout faire. Donc on a pris l'État, on a changé. L'État est devenu une idole. C'est pour cela que Dieu va nous juger. Donc c'est aux parents de faire des enfants. Quand vous mettez ensemble pour avoir des enfants, l'État n'est pas là. Quand vous allez coucher ensemble dans vos pièces secrètes, l'État n'est pas là. Et maintenant, quand vous avez vos fruits, vous dites à l'État, occupe-toi de ces fruits. C'est pour cela, aujourd'hui, si quelqu'un, l'enfant a une petite fessée là pour corriger, je ne parle pas de ceux qui maltraitent leurs enfants, une petite fessée, on dit non, on récupère l'enfant. Voilà, donc les enfants n'appartiennent plus aux parents. C'est ça le problème. Donc c'est un modèle antichrist. Partout, pratiquement.
C'est ça notre problème. C'est pour cela que quand nous parlons de la famille, c'est pas seulement au niveau de la mairie, les gens, ils se... ça c'est rien, c'est une formalité. Mais c'est plus profond que ça. Il y a des réalités spirituelles, des réalités. C'est, on est dans un système tellement bien ficelé, tellement antichrist, tellement mal conçu dans le monde. Hein, parce que le monde est déjà, nous sommes dans le gouvernement mondial, sous ce gouvernement. Donc du coup, ben, les enfants, y en a qui vont dire, ben, si on dit à l'école, si vous avez un pépin, un problème avec les parents, ben, les assistantes sociales sont là pour vous aider. Voilà. La parole nous dit dans Proverbe, maudit soit le pays dont l'enfant est roi. Voyez. Au Canada, c'est encore pire. C'est terrible. Et les enfants sont des rois, ils savent qu'il y a moins de pépins à l'école, on va balancer des choses, on va dire des choses, et puis on arrive, on prend les enfants, tac, on les met quelque part. Mais comment ils sont éduqués, ces enfants-là? Ils sont éduqués comment? On leur dit, ben, vous pouvez choisir, vous n'êtes ni fille, ni garçon. Vous êtes un garçon, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas un garçon, ben, vous pouvez choisir. C'est quoi cette affaire-là? Où on propose des dessins animés, où dont les acteurs principaux sont pratiquent l'homosexualité. On dit le poisson est homosexuel, il aime un autre poisson mâle, tout ça là. Vous vous rendez compte de tout ça là? C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons prendre position pour la parole, pour la vérité, tout en étant correct avec les uns les autres et en disant aux enfants ce que la parole dit. Ça là, faut faire. Tu es un garçon, tu as épousé une femme, tu vas avoir une femme, avoir des enfants, avoir une vie normale. Tu es une fille, tu auras un garçon, avoir, comme la parole le dit, Adam, tu es Adam. Il faut, les parents doivent éduquer les enfants, les mâles, pour qu'ils comprennent qui ils sont, connaître leur identité d'homme. Et ils doivent éduquer les filles pour avoir leur identité de fille. Pas des prostituées habillées n'importe comment. Tout ça là. Voyez, c'est ça le message là. Ce que Dieu veut, c'est ça, c'est amener les parents à être responsables. Responsables.